de Yozuel, Elohim, Métatron, Archange et Evaoret, maître intergalactique. Vous êtes vous, en vous, présence. Nous prenons une profonde et lente respiration. Mes amis, en l'instant, vous êtes. Ne cherchez rien, soyez. En l'instant, je vous réajuste. Cela est nécessaire. Vous ne pouvez pas ressentir ce que vous êtes si vous n'êtes pas pleinement vous, pleinement en conscience et dans l'amour de vous-même. Cela, je vous l'impulse en l'instant. La puissance n'a pas son égal. La puissance est le ressenti que quoi que vous émettiez, cela vous répond. Puissance qui déferle actuellement. La puissance qui, en vous, peut maintenant vous amener à vivre autre chose. Se permettre de ressentir la puissance. C'est ressentir qu'elle n'a plus rien à voir avec l'humain et qu'elle peut générer toute chose selon ce que l'être ressent dans cette puissance, que tout est vécu en l'instant, selon ce qu'il aimait, selon ce qu'il veut vivre, selon ce qu'il veut voir se manifester. Certains d'entre vous sont prêts, prêts à le vivre véritablement, prêts à le ressentir en continu, prêts à le démontrer. Ressentir véritablement ce qui, dans la puissance, peut être vécu sans jamais se retourner, sans ne plus se chercher dans une réalité qui n'est en rien ce que la puissance est. Ressentir qu'en vous, tout peut trouver sa résolution
à tout ce que vous n'avez plus à cœur de vivre. Maintenant, ce que je vous impulse, c'est une puissante émission que vous êtes à même de ressentir si vous ne cherchez rien, si vous ne pensez pas, si vous êtes là, simplement et en ouverture. Ma puissance se déploie en chacun d'entre vous et elle vous amène de subséquentes énergies, vous ramenant à vous-même, tout en reconfigurant ce qui doit l'être. Et maintenant, mes amis, ressentez qu'en vous, vous êtes à même d'être, sans que rien ne vous interfère, sans que vous ne cherchiez la solution à quoi que ce soit. Mais de ressentir en l'instant que la puissance émise vous amène au niveau où, dans l'amour, vous ressentez que vous êtes à même de vivre, non pas ce que vous élaborez par vous-même, mais ce que vous êtes à même de vivre dans ce que vous êtes venu faire sur cette terre, qui correspond en grande partie à ce que vous avez à cœur de vivre. Puissance qui, en l'instant, vous amène à concevoir que tout peut être vécu selon ce qui vous correspond. Maintenant, je vous reconfigure, chacun à sa mesure. Chacun dans ce qu'il n'a plus à vivre, chacun dans ce qu'il a émis d'inconsidération de lui-même par rapport à sa véritable nature intrinsèque. Thank you.
dans la puissance, tout peut être reconfiguré. Tout peut être ressenti dans tout ce qui peut être transmuté afin de vivre dans ce que vous êtes et non dans ce que vous, vous cherchez encore au niveau de vos problématiques humaines. Et il en est ainsi, mes chers amis, Josué. Métatron, mes amis, en l'instant, vous êtes. Ne cherchez rien, soyez. Permettez-vous de ressentir ce que je vous impulse, moi, Métatron, en l'instant. Vous ne pouvez plus vivre ce que vous étiez. Si réellement vous avez à cœur de vivre en totale conscience de ce que vous êtes, cela ne peut plus être votre réalité. La puissance n'est pas une conception. Ce n'est pas quelque chose que l'on recherche. Ce n'est pas quelque chose que l'on imagine. C'est quelque chose que l'on se permet de ressentir, sans aucune interférence de toutes les considérations humaines. C'est quelque chose qui peut être ressenti en l'instant, simplement en lâchant toute pensée interférente, quelles que soient ces pensées. Mes amis, en l'instant, je vous réajuste. Si vous vous permettez d'être, sans rien émettre, sans rien chercher, sans vous confronter à vous-même dans tout ce que vous croyez que vous n'êtes pas, dans cette puissance, tout peut être vécu selon ce qui vous correspond. Mon déploiement est effectif. Mon déploiement ramène bien des énergies dans la puissance même où je m'exprime actuellement. Et il en est ainsi, mes chers amis. Et c'est ainsi, Métatron.
Evoharet. Je suis et je m'exprime, Evoharet. Je vous le dis, je suis et je vous impulse. Votre réalité dépend de ce que vous vous permettez, vous, en vous, de ressentir la puissance déployée sans vous chercher dans l'un ou dans l'autre. Vous êtes amené à vivre votre propre puissance dans la puissance déployée, votre propre réalisation, selon ce que vous, vous ressentez en vous, ce que vous voulez réellement créer et vivre en conscience, sans vous appuyer sur l'un ou sur l'autre. Tout maître dans tous les mondes, où qu'il soit, vit sa propre puissance en corrélation dans la puissance déployée avec tous les maîtres. Chacun ressentant toujours en lui-même sa propre puissance. À vous de vous permettre maintenant de ressentir ce que cela veut dire et de vous permettre de le vivre. Maintenant, notre déploiement s'effectue sur toute cette planète pour l'amener en résonance avec toutes les ondes électromagnétiques qui va l'amener à entrer un peu plus dans une autre configuration et amener la plus grande majorité des êtres à ressentir ce qu'il est possible maintenant de vivre, ce qu'il est maintenant possible de créer, ce qu'il est maintenant possible d'entrevoir, un renouveau qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui s'est vécu dans un système préétabli. Notre déploiement s'effectue dans toute cette réalité et vous amène vous-même à ressentir notre puissance déployée. Et il en est ainsi, mes chers amis. Tout s'effectue, tout se conjugue, tout se réalise selon les vagues énergétiques puissamment impulsées dans le grand déferlement de notre puissance galactique. Soyez, je vous suis, je vous impulse et nous nous rejoignons d'une certaine façon dans la grande mouvance galactique et intergalactique. Et il en est ainsi. Obi-Wan à vous. Evoharet.